Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les amis, comme le dit le titre de cette vidéo, Challenge Conquête. Donc nous allons essayer de faire le plus de niveaux possible dans le Challenge Conquête. Vous connaissez le principe de ces vidéos puisque j'en ai déjà fait plein sur ce thème. Donc par conséquent, on va prendre la monnaie de l'Olympe parce que pour l'instant j'économise un petit peu mon or pour acheter, je sais même plus. Normalement, je crois que c'est Aphrodite. Donc, mon sixième dieu. Ouais, mon sixième dieu. Donc, c'est parti, les amis. Normalement, on voit un pas trop difficile. On va essayer ça. Donc, hop. On gèle en entier. Et on fait ça. Donc là, on vient de geler la ville pour pas trop que ça aille trop vite. Et ensuite, on a mis... La première capacité à Tisiphone qui fait extrêmement mal. Qui augmente son attaque du coup. Donc faut savoir qu'ils ont plus 250% de santé, de force, et leur recharge et leur capacité se recharge 40% plus vite. Donc ça c'est extrêmement bien. Alors, j'ai des petits problèmes de connexion en ce moment, je m'en excuse. Donc là, on va mettre Zeus ici. On va directement lancer la partie lente. Et comme ça, de l'autre côté, on met Tisiphone. Et à eux deux, ils se sont fait les deux côtés en fait. Donc on continue, niveau 3. J'espère que ça va pas être comme ça pendant toute la vidéo. D'accord, ça va nous faire refaire le niveau qu'on vient de faire. Bon, c'est pas grave, on le refait. Je pense que c'est un problème à ma connexion, mais je sais pas. Bon, là, je fais un peu n'importe quoi quand je refais ce niveau. J'ai l'impression. Mais ça marche quand même. Donc, oui. Tour 3. Normalement, il devrait marcher. Ah, yeah. Donc, on va arriver. On va directement mettre la capacité de base de Tisiphone. Ensuite, on met le blizzard qui va geler toute la map. On met la partie lente de Zeus. Et voici. Bon, Zeus, on peut le laisser faire ce qu'il a envie de faire. Parce qu'il nous est pas très utile, la plus utile là c'est quand même Alecto. Tisiphone, excusez-moi, je me suis trompé dans les noms. Ah, Hermès. Mon petit. Mais je m'en fous, j'ai pas envie de refaire le niveau que je viens de faire. Donc, ouais. Petit problème de connexion, c'est dommage, mais. Mais c'est comme ça. Il y a un chapitrage normalement. Je vais normalement mettre un chapitrage. Si j'ai le temps. Donc cherchez directement ce que vous voulez par rapport au chapitrage. Blizzard. Hop. Partie lente. Et ensuite, on les accélère. Et là, on leur dit raser. La map. On les accélère. On leur dit d'aller à l'opposé de là où ils sont. On les accélère. Hop. On rase tous les temples en fait. Et en fait, avec Hermès, bah, je les accélère, comme ça va beaucoup plus vite à les raser. Et pour le dernier, je me fais plaisir. Voilà. Et hop, on va doubler un petit peu ces récompenses-là. On est pas mal. Là, on est pas mal. Bon, j'espère qu'ils vont pas... Donc, on continue. Alors, 4 monuments.
Ok, et plein de capacités spéciales. Tout va pour le mieux. Donc pour l'instant, on n'utilise pas la capacité partie lente de Zeus parce qu'on n'en a pas besoin en fait. Je suis même pas sûr qu'on va l'utiliser de tout l'affrontement en fait. Donc si vous voulez, vous pouvez l'utiliser. Bon, voilà, on va l'utiliser parce que sinon on va pas l'utiliser. C'est super ce que je viens de dire. C'était pas un très bon français, mais c'est pas grave. Voilà, donc on a gagné. Tour 6. Bon, on va commencer par Artemis, hein. C'est le temple, ouais, le temple Artemis, parce que c'est le plus proche de nous. Ensuite, on les emmène sur le temple à Hadès. On l'emmène sur le temple à Zeus. Et on les met tous sur le temple à Hera. Voilà, donc pour l'instant, pas trop de stratégie, mais ça commence à se compliquer. Donc là, on va essayer de détruire le plus vite possible le monument à Athéna. Je dis bien le monument, je parle pas de son temple. Donc c'est lui, le monument à Athéna. Voilà. Donc ensuite on fait le temple à Athéna parce qu'on y est près, on est près de lui. Et on accélère tout le monde. Le temple à elle. Le monument à Artemis. Hop. Hop, on accélère. Et là on va faire le temple à Arès et le temple à Artemis et on aura fini. Donc voilà, c'est assez rapide. Donc on passe au tour 8. Si je ne m'abuse pas. Parfait, on a la capacité ultime d'Hermès. Donc là, on va mettre tout le monde sur le temple, le monument pardon, à Poséidon, de façon à enlever les boucliers de tous les autres monuments. Temple. Enfin tout. Je crois que j'ai fait une boulette là. Pas fait exprès, mais bon, on va gagner quand même. Voilà, donc le temple à lui. Voilà, donc on rase Hera et lui. On va faire ça. Voilà, et on met tout le monde sur celui à Hadès. Voilà, et on a fini. Donc maintenant, on passe au tour 9. C'est assez facile en fait, pour l'instant. Donc là, toujours la même stratégie que tout à l'heure, quand il y a le temple à Athéna, le monument à Athéna, pardon, vraiment, faut le raser le plus vite possible. Parce que il fait extrêmement, extrêmement mal ce temple, et je l'aime pas du tout. Voilà, donc ensuite, alors. Donc oui, en fait, tout à l'heure, j'avais fait une boulette. Hein. J'ai fait la même que tout à l'heure. J'ai activé la capacité trop tôt de Hermès. J'ai pas l'habitude en fait de l'utiliser parce que je l'ai pas en vrai. Donc je clique un peu partout. Voilà, donc on rase le temple à Apollon. Ici, on les met sur celui à Aphrodite. Ensuite, on met les éclairs un peu autour de soi pour que ça frappe un peu tout le monde. Et ensuite, on va tout le monde sur le temple à Arès. Hop. Figé dans le temps. Et voilà, niveau 9 je crois réussi. Donc tour 10. Alors, il y a qui au tour 10? Ah, il y a toujours le monument à elle. Oh yeah. Il y a Hermès qui est encore plus amélioré que les autres.
Ça va être cool. Alors, je vais juste regarder un truc, donc je mets fin à la bataille et je reviens. Hermès encore. Ah oui. Ils vont recharger 35% plus vite, par contre ils ont 300% de tout en plus. Ok, je comprends maintenant. Donc on va mettre d'abord Zeus pour mettre un peu d'éclair autour de lui et une partie lente. Ensuite on met Tisiphone sur le monument à Athéna. On remet un peu d'éclair. Et ensuite on met, comment il s'appelle le petit là? Hermès pour... faire qu'ils aillent plus vite. Et là, on met tout le monde sur le monument à Artemis. Puis on les emmène sur le monument à Athéna. Puis sur le monument à Hera. Enfin, le temple à Hera. On les replie sur l'Olympe. Il nous en reste deux. Donc on va mettre Zeus sur le monument à Aphrodite et Hermès sur le monument à Arès. Et voilà, on a gagné. Tour 11. Donc il n'y a pas le monument à Athéna, ça va être cool. Par contre, il y a le temple à Poséidon qu'on va tuer en premier. Donc, on se dirige vers lui. On met le gel. Hop, la petite partie lente. Les petits éclairs. On les accélère. Et tout le monde par là. Hop. Hop. Allez. Peut le faire. Hop. Ok. Donc là, on met tout le monde. On met les gens sur le temple à Hadès. Ensuite, on les dit d'aller sur celui à Arès. Puis sur celui, une fois qu'ils sont finis, à Hermès. Puis celui à Apollon. Et ensuite, on les envoie sur celui à Aphrodite. Donc hop, là on fait les capacités, on les ramène sur l'Olympe. Comme ça, on place Zeus là, on place Tisiphone juste à côté, et à eux deux, ils vont finir le temple, le dernier. Ok, donc on passe au tour 12. Alors... Et ben on va commencer par le temple à Poséidon qui va être là. Hop, petite partie lente. Hop, ensuite on les accélère avec Hermès. On fait la capacité base d'elle. Bon, Hermès, tu les accélères. Ensuite on les met tous sur le temple à Zeus, temple à Hera. Temple à Arès. Et là, puisqu'il en reste plus que deux, on les replie sur le mont Olympe. Et ils sont là, les deux. Donc, on va mettre elle là. Elle là. Et tous là. Voilà. Donc, tour 12 réussi. Tour 13. Tour 13, on va avoir un petit problème. Et bien, vous savez quoi? On va commencer directement par le temple à Poséidon. Partie lente. Hop. Toc. Toc. Voilà. Là, il fallait qu'il y ait une petite base. Ensuite, on va tous les envoyer sur le monument à Apollon. Pour pouvoir arriver sur le temple à Zeus qui se situait un petit peu derrière. Voilà, donc là on les accélère. Hop, 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 la petite base. Ça, un port tout autour. Donc ensuite on le met sur celui, le temple à. Et on les replie sur l'Olympe parce qu'il commence à plus avoir de vie.
Donc il reste le temple à je sais plus qui. Le temple à Artemis qui est là. Temple à Arès qui est là. Hadès qui est là. Athéna, ok. On va mettre Hermès tout seul sur le temple à Ok, ça servait à rien. C'est pas grave. On va mettre Zeus sur le temple. Ici. Avec Tisiphone en renfort. Mais à mon avis, c'est déjà une peine perdue. Ce niveau. Ok. Ok, là si on perd, je ne réessayerai pas le niveau parce que je ne pense pas avoir le temps. On va commencer par ici cette fois-ci. Par le temple à Zeus. J'ai envie de commencer par là, donc je commence par là. Je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, si je le veux. Ensuite, on va aller sur le monument à Hadès. On les accélère. Hop. Le monument à Artemis qu'on n'avait pas eu tout à l'heure. Parce qu'il a fait beaucoup de santé. Ensuite, on va les emmener sur le truc à Athéna. Je ne saurais pas vous citer le nom. Parce que j'ai oublié. Hop. On dégomme comme ça. On dégomme comme ça. On arrive sur le temple à Hadès. Hop, on les replie sur le mont Olympe. Il en reste 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Ok, donc là, on a eu le monument Hadès. On a eu ça. Hop, hop, hop. Hop. Oh non. Bon, bah c'est un peu chaud, le tour 13, mais du coup, ne vous inquiétez pas, si j'y arrive, la vidéo sortira dans quelques heures sûrement, mais je ne pense pas y arriver. Donc, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Likez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, rejoignez-moi sur Discord. Mon Instagram, le forum actif que je partage avec Caton Wars sur vraiment nos chaînes et rejoignez le forum actif de l'Alliance. Donc, il s'appelle thefrenchcolony.forumactif.com, mais l'Alliance a été renommée The French Army récemment. Donc, si vous cherchez une alliance active, n'hésitez pas à rejoindre The French Army. Et regardez d'autres vidéos de moi, ça fait plaisir. À très vite pour une nouvelle vidéo.